Et salut à tous les amis, c'est Garnick. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode déjà, et oui, 10 épisodes du projet BSA de la G-Corp. Et à cette occasion, j'ai décidé de faire, pour vous remercier, un petit épisode un peu plus long que d'habitude, puisqu'il durera, oula, une araignée. Il durera 1 heure. Alors je vais fighter l'araignée et je vais vous expliquer qu'est-ce que je fous ici. Donc oui, petit épisode, comme beaucoup me l'ont fait, enfin me l'ont demandé, des épisodes un peu plus longs. Et comme à chaque fois c'est toujours la course pour essayer de tenir les délais et tout, je me suis dit allez, cette fois-ci je vais leur faire un épisode de 1 heure pour le 10e épisode pour vous remercier de suivre la série. Donc voilà, on est parti aujourd'hui pour 1 heure. J'avais pas prévu spécialement des choses, donc on va faire un petit peu de tout. Ici ça a pas changé par rapport à la dernière fois, c'est la future salle d'entrepôt, hein, la salle des ressources ou. Ouais, où on va entreposer des ressources. Je suis au niveau 1 donc ici. J'ai creusé une deuxième salle ici, ce sera la salle de traitement. Donc je vous dis pas trop ce qu'on va y mettre pour l'instant, mais en gros, le nom vous permet de deviner. Les ressources arriveront en fait d'ici. Enfin, arriveront ici plutôt. Elles auront certains traitements, donc selon la ressource, et elles partiront, pardon, dans la salle d'à côté, où elles seront rangées dans des coffres tout bien tout propres. Tout comme il faut. Donc j'ai déjà quelques idées. On commencera peut-être enfin dans pas très longtemps à faire les premiers traitements. Je pense que ça pourrait être jouable assez rapidement. Et oui, au fait, en creusant, j'ai atterri dans ma mine. Donc ma mine qui avait pris feu, hein, on l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je l'abandonne à ce style de mine, j'abandonne. J'en ai un peu marre. Alors ensuite on va retourner à la maison parce que j'ai pas mal de choses à vous faire voir. Oui, j'avais mon claptrap sur moi parce que j'ai développé un petit programme pour miner. En fait c'est tout simple, ça fait appel au programme de tunnel de base, sauf qu'à la fin le claptrap revient. Parce que dans le programme de base il ne revient pas. Donc j'ai juste fait ça. C'est pas encore tout à fait. Enfin je crois que si, c'est au point, mais je l'ai pas encore trop lancé. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à mettre en place l'ascenseur qui permet d'aller du niveau 1 au niveau. Enfin, pour lui c'est niveau 2. Au niveau 0 qui sera le niveau des mines. Donc niveau 1 plutôt ce sera mine. Niveau 2 sera entrepôt et salle de traitement. Donc j'ai commencé à creuser un petit peu par ici. Comme vous pouvez le voir, le claptrap quand il creuse, il s'en fout qu'il y a de l'eau ou de la lave ou quoi que ce soit. C'est pour ça que le programme pour le faire revenir, ça va être intéressant. Comme ça j'aurai pas besoin d'aller le chercher dans la lave s'il s'arrête au beau milieu. Et après, on s'amusera à essayer de. Voilà, comme ça par exemple, de récupérer toute cette lave. Alors pour l'instant, ce que j'ai prévu de faire, c'est creuser de hauteur jusqu'à une certaine distance, et après je mettrai un filler, donc c'est un objet d'Industrial Craft, qui permet de faire un traitement sur une certaine zone. Donc moi je prendrai toute la zone qui est au-dessus, jusqu'à une certaine, le plus loin possible, et le traitement, je dirais, de vider cette zone, donc on peut faire ça. Le problème, c'est que quand il fait ça, il va pas récupérer les blocs, il va se contenter de les faire tomber. C'est pour ça que j'ai fait un petit espace de 2. Je ferai un petit courant d'eau qui ramènera tout ici, qui ramènera tout à un point central, qui se fera absorber par un tuyau, qui partira dans les salles de traitement. Donc voilà le plan dans la théorie. Dans la pratique, on verra comment ça va se passer. Ensuite, donc oui, pour l'instant l'ascenseur ne va pas plus haut. C'est parce que comme je voulais vous faire voir un peu comment ça se passait. On installera la suite plus tard. Ensuite, donc ça c'est dit, j'ai installé un nouveau mode. Donc c'est un mode qu'on m'a conseillé par MP. Je l'avais vu au début, sur le coup j'ai pas tilté, puis après quand on me l'a conseillé je me suis dit oh, je pourrais faire des choses sympas avec. C'est un mode qui rajoute 3 blocs sur, ouais, 3 blocs, 3 blocs et un item, qui est le mode HugoCraft. Donc c'est un mode développé par un japonais dont j'ai pas retenu le pseudo. Qui permet de poser un certain bloc spécial qui pourra par exemple permettre de faire des rotations à d'autres blocs, donc pour faire des portes qui s'ouvrent, une ouverture classique j'ai envie de dire, ou des translations. Enfin là ça va être un peu compliqué à vous expliquer sans exemple. Je vois un truc là-bas, je me demandais c'était quoi. Oui, le bloc translation, en gros, ça va permettre par exemple de prendre ces 3 blocs-là et de les faire glisser jusqu'à cet endroit-là par exemple. Et le bloc rotation, ça va faire une rotation sur un certain axe. Et voilà. Donc je m'en servirai principalement pour faire les portes et pour faire l'entrée secrète de la base qui du coup va être très. Si j'arrive à faire ce que je veux faire, enfin ce que j'ai en tête, ça pourrait être très 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 cheaté. Enfin très sympa surtout.
Bon, alors la maison, elle a pas mal avancé. J'ai terminé de crafter les derniers panneaux solaires. Je me rappelle plus du tout si je l'avais dit la dernière fois. Je vais en faire un petit tour. Donc voilà, tout est terminé ici. Donc je produis suffisamment d'énergie pour ma consommation personnelle pour l'instant, donc pour la maison. Maison sur laquelle j'ai rajouté 2-3 machines. Donc j'ai rajouté le compresseur qui nous servira plus tard. Le macérateur, on avait toujours. L'extracteur aussi. Et j'ai rajouté ici le canning machine plutôt. En gros, ça permet de faire des genres de canettes comme je tiens ici. En fait, ça sert surtout à ça pour l'instant, mais après ça servira à plein plein d'autres choses. En fait, ça va, pour l'instant, ça me sert à rendre plus à faire en sorte que la nourriture soit plus rentable qu'avant. Donc on va faire un exemple concret. Ce sera beaucoup plus simple que de papoter. Donc un morceau de pain, donc comme j'ai sur moi un morceau de pain là, il est où? Il est là. Ça rend deux barres de gigot de vie, enfin de faim plutôt. Donc ça vous en redonne deux, j'ai testé, hein, ça en redonne deux. Donc voilà, ça en redonne deux. Et le fait de les mettre, de mettre ici dans la canning machine, ça va transformer ça en bon, ce machin là, je saurais pas comment on... Bon, c'est des canettes en gros, enfin c'est des conserves, moi j'appelle ça des boîtes de conserve. Et vous voyez que ça m'en a donné 3. Or, une canette, donc ça va rendre un gigot en fait, une unité de votre barre de faim. Donc ça veut dire qu'avec un morceau de pain, on peut faire 3 conserves, donc je vais y arriver. Et avec 3 conserves, on rend 3 points de vie, enfin points de faim plutôt. Et tout ça pour dire que c'est plus rentable. Donc voilà, donc en gros ça permet d'augmenter la rentabilité de la nourriture. Et n'importe quel type de nourriture se stackera et donnera cet item là. Donc ça permet d'avoir tout en un seul item. Donc des stacks de trucs comme ça. Et voilà. Alors ça c'était la première chose. Deuxième chose, j'ai rajouté ici une autre bad box pour emmagasiner encore 40 000 d'énergie. Comme ça j'en ai 40 000, 40 000 et 40 000 en haut. Donc ça fait un bon stock. Parce que les machines consomment quand même pas mal, hein, mine de rien. En parlant de consommer, je vais vous faire voir un truc que j'ai découvert, que j'aurais dû découvrir avant, mais bon, je pouvais pas le savoir. Vous mettez par exemple, n'importe quel minerai, donc on va faire ici avec du métal, tiens. Donc on met du minerai dans le macérator. Et vous allez voir ce que ça va donner. Bon, je vais en mettre un seul déjà pour commencer. En attendant, je vais aller reposer mon claptrap. Hop, qui a bien bossé. Tout et ranger la petite disquette. Voilà. J'ai bien avancé aussi sur le programme là. Enfin, je me rappelle plus si je l'avais dit, donc je vais éviter de le dire. Donc voilà, avec un minerai, j'ai obtenu 2 poussières d'iron, enfin de fer. Donc je vais les attendre pour pouvoir mettre ça en route. Allez, voilà. Alors, donc avec 2 d'iron, j'ai 4 poussières. Et vous allez voir que si je mets les 4 poussières dans mon four, qui fait toujours un horrible bruit, hein, ça va pas changer. Vous voyez, là c'est la nuit et donc mes panneaux solaires ne vont plus emmagasiner d'énergie, donc je prends sur mes réserves, c'est pour ça que j'ai rajouté les bad box. Donc vous allez voir que, voilà, une iron dust, une poussière de fer, ça donne un lingot de fer. Donc en gros, si vous avez bien fait le calcul, je viens de doubler ma production de... Enfin, ouais, ma production de fer. Je récolte un minerai, ça me donne 2 lingots. Donc moi qui suis toujours en manque de ressources, là pour le coup c'est bien 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 cheaté, bien pratique. Et ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de fer comme vous pouvez le voir. Ensuite, en parlant d'encore tricher, enfin de tricher entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de la triche, c'est rajouté par le mode, et puis vu comment ça coûte cher, c'est pas vraiment tricher on va dire. Oui, donc je vais passer vite fait sur le Wiki d'Industrial Craft, parce que je connais pas par cœur bien sûr, hein, pour aller voir un petit hop, hop, voilà, un petit craft. Donc c'était fer raffiné, circuit, ok d'accord. Donc il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6 fers raffinés. Hop, alors 6 fers raffinés, donc on va les faire tout de suite. Là, on va envoyer les fers raffinés. Là, j'ai l'impression que c'est terminé. Non, c'était une fausse impression. Donc, vous allez voir que ici, ça c'est encore plein. Ici, c'est encore plein. Ça doit être en haut que ça se vide. Sachant que
enfin le ah. Au final, voilà, je vais y arriver. Au final, on va pas empiler tout plein de bad box comme ça qui s'enchaînent. Il y aura des unités de stockage beaucoup plus puissantes. Je vais pouvoir commencer avec ça. Donc, on va se faire un circuit électrique, électronique plutôt. Circuit électronique, c'est pas comme ça. Il faut d'abord du câble. Voilà, j'avais plus ou moins préparé puisque je vois que j'ai quelques trucs sur moi. Donc il faut câble, hop, on a un électronique circuit, donc c'est circuit électronique, à chaque fois je dis électrique, je sais pas ce que j'ai avec ça, non. Je toque, non, ça va pas là-dedans, ça va là-dedans. Donc je vais récupérer le reste de la dernière barre qui restait, et là-dedans, non, c'est là-dedans. Donc c'est pas pratique d'y accéder par en dessous, mais au moins ça m'évite de remonter. Bon, là c'est pas fini encore, bon, c'est pas grave. Alors, oui, je vais construire donc ça et ça, voilà, un mining drill. Alors le mining drill, ça va remplacer la pioche. Et là où c'est bien pété, c'est que la barre de durabilité, vous voyez qu'elle est à 0, et en fait ça se recharge avec de l'énergie. Donc c'est comme ça qu'il faut le mettre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai sorti une bad box ici, comme ça ça me permet d'avoir une unité de rechargement. Donc là c'est bon, c'est rechargé. Et en fait ça a l'efficacité d'une pioche. Donc le, je crois que ça a l'efficacité d'une pioche en fer le premier. Parce qu'on peut le grader pour avoir un diamond mining drill. D'ailleurs on va le faire tout de suite. Tiens, j'ai regardé rapidement, je peux le faire, il me faut que 3 diamants. Enfin, que 3 diamants entre guillemets. 1, 2, 3. Mais diamant je m'en suis toujours pas servi depuis un moment. Voilà, on a un diamond drill. Donc celui-là il est complètement pété. J'ai pas envie de le tester ici, je vais aller le tester ailleurs. Est-ce que ça c'est fini? Oui, c'est fini. Je toque. On va mettre la moitié là, l'autre moitié ici, et on va aller se coucher. Donc on va aller tester le mining drill, et en fait si vous voulez, quand la barre de durabilité arrive à 0, donc comme c'est que de l'énergie, il se casse pas. Donc je vais pouvoir le recharger. Et là ça devient super pratique, donc j'aurais plus besoin d'utiliser du fer pour faire pour me faire des pioches, parce que ça commençait, c'était chiant, je minais et vous connaissez ce principe, ça doit vous arriver à tous, hein, ça nous arrive à tous, c'est vous minez tranquillement et vous n'arrivez pas à trouver de fer et au final vous avez usé toutes vos pioches et ça vous a coûté plus que la base. Donc voilà, ça mine déjà super vite, comme vous pouvez le constater. C'est bien pété. Et il y a un squelette ici. On va aller le déglinguer avec son pote zombie. Voilà. Ouh, il m'a droppé un casque. J'achète. Voilà. Casque gratos. Ah oui, ça je l'avais vu ici. Les monstres ils peuvent pas passer par là. C'est marrant. Voilà. Donc voilà pour le mining drill. Donc je vais quand même user cette dernière pioche. Parce que je me semble pas qu'elle ait une utilité. Et je sais pas si on peut taper avec le mining drill. Non, je crois qu'il faut autre chose. Il y a aussi un autre objet qu'on va pouvoir crafter qui a l'équivalent d'une épée en fait. Et qui est pareil qui va se recharger avec l'électricité, donc ça va être bien pratique aussi. Je vais remonter à l'arrache parce que si je me fais un petit escalier, les monstres vont pouvoir remonter du fait qu'ils ont une intelligence maintenant. Ah, et cette intelligence légendaire d'ailleurs. Alors j'ai mes moteurs qui tournent là-bas, mais je crois que j'avais déjà récolté tout ce qu'il y avait à récolter. Enfin, comme j'avais été miné quand j'ai creusé les salles, ça fait déjà un moment. Ouais, voilà. On va reprendre ce qu'il y a à reprendre. Toc, 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 toc. On va aller mettre ça à chauffer. Donc j'en suis à combien de temps? J'en suis à un quart d'heure. Sachant que, comme je l'ai dit, on va faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude. C'est un épisode spécial, comme je dis toujours. Donc mon mini drill, enfin en plus c'est un diamond mini drill. Non, c'est carrément diamond drill. Donc en gros c'est une foreuse, hein, faut pas chercher plus loin. Ma foreuse en diamant est complètement pétée. Je récupère ici là. Il me faudrait plusieurs macérateurs en fait, ce serait vraiment bien plus pratique. C'est qu'ici je voulais mettre un recycleur, ici j'ai le compresseur. Ah là là, j'ai déjà beaucoup de machines. Hein. Ouais. Ah oui, il y a aussi un autre truc qu'on va faire vite fait. D'ailleurs, il faudra que je garde les poussières. Ça tombe bien, je les ai gardées.
Par contre, j'ai pas gardé les poussières de copper, ça c'est pas pratique, ça c'est pas malin surtout. On va ranger ça, on va ranger ça. Je range vite fait et je vais vous faire voir un autre truc bien sympa. Enfin, c'est pas un truc sympa, c'est un truc pratique que je ne connaissais pas et c'est ce qui m'a valu de perdre mon premier panneau solaire, hein, je vous le rappelle. J'étais en train de crafter un panneau solaire tout tranquillement, j'étais bien content d'avoir crafté mon premier panneau solaire et boum! Il m'a pété à la tronche. Quand, enfin, j'ai voulu le casser et pour le récupérer, bien sûr. Et bah, ça a pas marché, il s'est tout simplement cassé, détruit et je ne pouvais plus l'utiliser. Et ben c'est normal en fait. Il y a une façon de pallier à ce problème et c'est ce que je voudrais vous faire voir. C'est en utilisant le bronze. Alors pour faire du bronze, je crois que c'est comme ça. Et ben non, c'était pas comme ça. C'était plutôt comme ça. Voilà. Ça donne des bronze dust. Donc en gros c'est des poussières en bronze. Poussière de bronze. Donc il va falloir. Je vais en faire. Bon, ah ouais, je peux pas en faire plus pour l'instant. Je vais en faire quelques-unes. En fait, ça va me permettre de crafter un petit outil qui va. Hop. Ça va me permettre de crafter un petit outil qui va. C'est quoi qui est tombé? Ah. Qui va me permettre de récupérer les machines, justement. Et donc, je vais décaler cette machine-là, je vais la mettre ici. Donc, j'aurai les deux fours ici. Et je pourrais mettre un deuxième macérateur. Donc, ça, c'est quoi déjà le compresseur? Ouais, je vais les décaler un petit peu les machines. Ici, il n'y a rien qui cuit, non. Je peux mettre le bronze pour l'instant. Alors, il en faut 1, 2, 3, 4, 5. 6, je crois. Je crois qu'il en faut 6, mais je suis pas sûr. Bon, on va faire ça avec 6. Ah, je suis bête, à chaque fois, je pense pas à mettre dans le deuxième four. Donc le macérateur, je me rappelle déjà plus comment on fait pour le crafter. Ah oui, je peux aussi faire tout ce qui est outils. J'avais dit qu'on pouvait le faire en copper, mais je m'étais trompé. En fait, c'était en bronze qu'on pouvait le faire. Allez, ça va plus vite et j'arrive quand même plein. Hein. Ch'tou, voilà. Et normalement, c'est un truc de genre là, plutôt comme ça. Voilà. Et on obtient en gros un truc mécanique. Enfin voilà. Vous avez pigé, c'est quoi? Et donc on va décaler les machines. Voilà, je toque. Alors je récupère mon four. J'aurais bien aimé mettre mon frigo. Alors attends. Macérateur. Extracteur. Je vais mettre. Ça c'est quoi déjà? Enfin moi j'appelle ça le frigo, mais c'est bien sûr c'est pas le frigo. Ouais. Hop, est-ce que je peux arrêter 2 secondes? Voilà. Je toque. Donc là, je mets mon extracteur. Ici, mon macérateur. Et j'en mettrai un deuxième. Donc lui n'est pas alimenté normalement. C'est normal. On va aller y remédier tout de suite. Donc le macérateur, bon, on va le continuer. On va le laisser bosser. Le four, on va le faire bosser un peu aussi. Et on va aller vite fait en dessous pour. En fait, il suffit de faire hop. J'avais un câble qui traînait. Ch'tou. Alors, oui, ça fait du boucan, ça c'est clair. C'est l'industrie, mes amis. Donc, ce four-là est alimenté, mais il travaille pas pour l'instant. Hop, on va le faire bosser. Un deuxième macérateur. Alors je vais vite fait aller voir comment on le construit. Macérateur. Ok, d'accord. C'est pas compliqué. Il va nous falloir 9. Hop, 9 raffinés iron. Enfin, fer raffiné. Hop, hop, voilà. Je vais faire ça. Je perds pas de temps. Je perds pas de temps. Je vais faire aussi une machine. J'ai prévu une machine qui va optimiser et automatiser tout ça surtout. Ce sera beaucoup plus pratique que de le faire soi-même. C'est un peu chiant. Alors, du câble. Hop. Faut un peu de redstone.
Là là. Alors, hop. Voilà. Et où est mon fer raffiné? Ah ben, je suis bête. Pff. Il est encore en train de chauffer. Alors ici, ça bosse. Ici, ça... ça bosse. Alors, toc. Voilà, circuit électronique. Donc, il me faut aussi 3 flint. Et 2 de cobalt que j'ai déjà sur moi. Est-ce que ici c'est fini? Oui, c'est fini. Alors, bloc machine. Bloc machine. Circuit électrique. Hop. Et hop, voilà, on obtient un macérateur. Macérateur que je vais aller placer tout de suite à côté de son pote. Comme ça, je vais pouvoir macérer tout mon tin or. Voilà, ça, ça a bien avancé. Je vais aller voir au niveau ressources, qu'est-ce que ça dit, enfin, niveau électricité. En fait, pour l'instant, oui, quand mes machines ne tournent pas encore tous à fond. Donc ce qui est le cas, hein, il n'y en a que quelques-unes qui tournent. Je produis plus que j'utilise en fait. Donc là en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, ça reste toujours plein. Et j'ai pris les fils de mon casque dans ma chaise, excusez-moi, voilà. Donc voilà, ça c'est pour l'instant c'est cool. Je vais baisser le son parce que je sais jamais ce que ça donne sur la vidéo, j'ai toujours peur que ce soit trop lourd. Bon là ça a fait bugger les sons, c'est encore mieux. J'ai encore les sons de Minecraft, c'est déjà ça. Donc, ici on a le frigo, ici les machines que j'utilise un peu moins souvent pour l'instant. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais faire ensuite? J'ai prévu plein de trucs, mais j'en ai tellement prévu que je sais plus c'est quoi. Enfin, j'ai prévu, non, justement, j'ai pas prévu, mais j'ai tellement de trucs à faire. Oui, et vous récupérez la canette vide à la fin, la canette. Vous m'avez compris. Je vais déjà ranger ce dont je n'ai pas besoin. Le reste ça part ici. Hop. Je vais aller miner. J'ai besoin d'aller miner un petit peu. Donc je récupère mon claptrap. La disquette de minage. Le lecteur. En plus ça va être la nuit. Je vais aller faire miner mon claptrap. Et... ah oui, voilà, c'est ça qu'il faut. Il va me falloir un peu de cobblestone. Quand je dis un peu, c'est un peu beaucoup. Et des fenêtres. Normalement, j'en ai refait aussi pas mal. C'est pas là les fenêtres, c'est ici. Ouais, j'en ai refait quelques-unes. Et un peu de cobblestone. Voilà. Ah non, je peux pas le faire tout de suite, c'est vrai. Par contre, il me faut les 2 blocs d'obsidienne. Vous savez quoi, je vais un peu improviser. Essayer de mettre en place tout doucement, en plus j'ai de quoi faire une source infinie, mettre en place la mine, parce qu'il va falloir, comme ça j'aurai plus besoin de miner, je pourrais me concentrer sur d'autres choses. Je vais prendre aussi un bench, ça pourrait servir, donc j'ai tout ça, tac tac tac. Du reste on verra plus tard. Allez, let's go. Je vais essayer de faire assez vite l'ascenseur et une fois que ça sera fait, j'attaquerai l'entrée secrète qui... enfin, au moins faire mes tests de mon côté sur ma map en solo. Parce que j'ai une map sur laquelle je me permets de faire des tests en mode créative. Avant d'essayer de faire n'importe quelle connerie, j'essaye de voir la faisabilité de mes projets. Oui, on a donc ici l'ascenseur. Si on aura une grande porte coulissante, grâce au nouveau mode que j'ai installé, le mode du Hugo Craft. Oui, donc on va descendre. Stock. Et on va dire à mon claptrap de creuser. Alors on va le mettre ici. On va mettre un lecteur ici dans lequel je vais mettre ma petite disquette. Et je vais faire... disque, alors le programme j'ai appelé mine, distance je vais mettre 50 ou pas 50. Bon, vous savez quoi, on va mettre 20, non,
Bah 20 non plus, faut pas déconner. 30 dans un premier temps. Bon, sachant que là, il va le faire dans le vent, mais ça va pas jusque 30 là-bas, et vous allez le voir, il va rentrer dans la lave, et ça va pas le faire fondre. J'ai fait aussi des tests. Il va pas fondre, enfin, j'espère. Et voilà. Donc, alors, il va me falloir une source d'eau infinie. Je vais la mettre ici. J'ai un peu peur quand même pour mon claptrap, hein, je vous avouerai. Je suis pas tout à fait rassuré. D'ailleurs, on va le suivre un petit peu, donc il avance. Ouais, il m'a viré ma torche, le fumier. Donc, il va bosser et normalement il va revenir pile ici à la fin. Alors ensuite, donc moi je voulais faire papapapapam. Ça va plutôt être ici que ça va remonter. Faut que j'aille voir un truc en haut. Je réfléchis, hein, je réfléchis en même temps, c'est pas forcément évident. Je toque. Alors on va remonter. Alors j'espère que vous y voyez quelque chose. On me l'a dit dans les premières vidéos. C'était assez sombre. Ouh là là, je suis passé à travers un coffre. Un coffre, un bloc. Alors ici, ce sera... bon, bien sûr, là pour l'instant, je peux passer, mais après, on pourra plus. Et à chaque étage, j'aurai un petit accès maintenant, ce qui permettra de descendre dans le faux sol qui se trouve en dessous et sur lequel je peux... Ah oui, c'est vrai, je peux pas là. Sur lequel il y aura tous les circuits, tous les tuyaux, etc. Sachant que vu la place que prend l'ascenseur, il restera plus beaucoup de place pour les tuyaux. Donc là, on est en dessous de la salle de traitement. Alors, l'idéal, ce serait que le tuyau arrive de par ici, en fait. Ce qu'il arrive de par ici, ça fait un petit peu haut, je vais éviter de sauter. Alors, hop, 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 hop. Alors, c'était où? Ça devait être quelque part ici. Ou pas. Alors, c'est là normalement. J'ai pas encore revenu mon claptrap, ça me fait un peu peur. J'espère que je vais pas le perdre. Bon, vous savez quoi, à la guerre comme à la guerre. C'est vrai, il y avait une grotte ici. Où est-ce qu'il est le trou? Ben, je comprends plus rien, j'ai fait un trou, mais il est pas là. Ah, je sais où il est, j'ai eu peur, voilà. Je sais où il est ce trou. Il est là-dedans. La trappe, t'es revenu? Oh mon dieu, il est revenu! Il est revenu. Alors ça veut dire qu'il a pas... En fait, il a presque rien creusé, j'ai l'impression. Il a avancé un peu dans la lave et il est revenu. Là, là-bas, je vois du fer. Bon, je vais pas pouvoir aller le prendre tout de suite. Donc ça veut dire que 20, c'est pas des masses. Je vais vérifier quand même. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. J'avais fait quoi? 30, je crois. 20, 30? Bon, pas déjà plus. Distance 30, ouais, non, bah c'est possible. Donc je vais faire mine sur une distance de 50 blocs. Ça devrait être déjà beaucoup mieux. Bon, pareil, il recommence au début. Ça fait rien. Donc normalement, oui, le trou. Ah, voilà. Le trou est là-bas. Donc en gros, il faudrait que mon système de mine envoie le tout ici. Je vais reboucher ça, c'est pas beau. Donc ça envoie ça ici et ça remonte. Donc ça va faire tout 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 comme ça. Ça peut le faire. Que je récupère la place là où j'en ai, enfin là où je peux. Hein. Voilà, faire ça comme ça. Mettre un peu plus haut. Hop, voilà. Donc, faudra faire tout converger ici. Ça va venir là. Ça va remonter là-haut. Et ce sera bon normalement. Alors normalement ce sera bon. Donc maintenant ce qu'il reste plus qu'à faire c'est un premier tunnel. Donc il faut creuser la baie ici. Donc c'est pour ça que j'avais mis une couche avant la bedrock. Je savais que ça allait m'être utile. Enfin j'ai une couche au-dessus de la bedrock.
J'en ai même deux, je crois. Ouais, je crois que j'en ai même deux et c'est même encore plus utile. Donc cette source d'eau commence à me gaver, je vais aller la reboucher. Ah. Hop. Bah alors, voilà. Ouf. J'ai vu du minerai. J'tou. Ah bah non, je suis juste là tout pile. Je crois que je l'ai vu revenir. Non, c'était un effet d'optique. Claptrap. Sachant qu'au pire, il sera jamais détruit. Il faudra juste aller le rechercher un moment bien plus tard. Pour l'instant, il revient pas. Je suis pas très rassuré. Enfin, quoi que cette fois-ci, j'ai mis plus que tout à l'heure. D'ailleurs, je m'en rappelle déjà plus combien j'ai mis. Mémoire de poisson. Alors l'idée c'est que les claptraps qui vont miner, enfin le non non je dis n'importe quoi, le fileur qui va oui qui va miner va faire tomber les blocs qui vont être amenés par des courants de tout au bout jusque ici. Donc je sais pas encore trop si ça va être faisable, on verra bien. Ça tombera ici et ça va converger jusqu'à cet endroit-là. Et à cet endroit-là on va mettre un tuyau de buildcraft un peu spécial. Pour l'instant on va mettre de l'eau. Je bloque. Un petit peu d'eau. Suis concentré, je suis concentré. Hop. Ah non, mais je fais n'importe quoi, moi. Ah, je suis concentré, mais je fais naps. Zut alors. Faut que ce soit des sources infinies. Justement, le principe, c'est qu'il faut que ça coule. Que ça coule de source. Ah ah. Hop. On va récupérer cette source ici, qui sert à rien. Voilà. Je peux pas faire plus à cause de la bedrock. C'est pas cool. Normalement, il y a une technique qui permet de faire des courants toujours sur le même étage et même avec les items. Je sais pas si ça marche en... enfin les items je suis pas sûr d'ailleurs. Je sais pas si ça marche encore, on verra plus tard. Poser ce bench quand même quelque part. Tiens, je n'aurai pas ici. Alors, tuyau en obsidienne. Eh oui, rien que ça. C'est pas comme ça qu'on le fait? Comment alors? J'ai regardé le craft rapidement une seule fois. Voilà, c'était l'inverse. Obsidienne pipe. Alors comme je disais, c'est des tuyaux un peu spéciaux qui ont la particularité d'absorber les blocs à une certaine distance. Non, bah faut pas le mettre là. Ah oui, on m'a aussi dit de pas, c'était pas utile de d'essayer de récupérer les blocs avec ma pioche, puisque, enfin pas les blocs, les tuyaux, puisqu'on peut les récupérer à la main, ça, c'est instantané aussi. Alors merci à la personne qui m'a donné le conseil. Mon claptrap est revenu! Oh yeah! Il est revenu avec des ressources en plus de ça. Revenu avec des ressources, le petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais faire une copie de mine dans slash mine. Si je vais... Hop. Alors, oui, donc j'ai... En gros, j'ai copié le programme sur le claptrap, comme ça j'ai plus besoin du lecteur de disque. Je vais faire décaler mon claptrap de une, deux. Alors attends. Il est là. Faut qu'il creuse à partir d'ici. Donc il faut qu'il fasse une, deux, trois. Qu'il décale de 3. Alors, il y a les commandes. Merde, c'est pas ça, c'est LUA. Les commandes qui permettent de diriger le turtle, donc le claptrap. Donc on a par exemple turn. Left, je l'avais déjà montré. Voilà, il a tourné à droite, donc je vais faire turtle dot, enfin dot point forward pour le faire avancer. Donc j'avais dit 3 fois, et après c'est turtle point turn right pour droite. Voilà. Donc là il est en position pour creuser. Faire exit. Je peux pas faire. Ah, je me rappelle plus combien j'ai mis. J'ai mis combien? Moi, ma mémoire de poisson aussi.
là normalement je peux faire mine. Distance, bah je crois que j'avais mis 50, tant pis, hein. Je vais mettre 50. Et on va le faire bosser. Bon voilà, donc ça c'est bon, il me faut des tuyaux en cobblestone. Stock. Qui sont les tuyaux de transport classiques. Je vais faire ça comme ça, donc a priori ça va absorber tout ce qui viendra par là. A priori, je dis bien. Ça va l'amener ici, l'amener là, l'amener là-dedans. Et est-ce que je peux monter avec eux? Oh, je peux monter avec eux. Est-ce que j'en aurai assez aussi? Ouais, j'en aurai assez. C'est parfait. Ah. Je mettrai des accélérateurs, hein, enfin des high boosters, enfin des high boosters, n'importe quoi. Oui, des accélérateurs, je sais pas comment appeler ça autrement. Donc on va remonter. Alors on va manger un petit peu mes petites petites rations. On va éclairer, j'aimerais pas avoir des monstres qui popent là-dedans. Cool. Il pleut dans la base. Et donc on a ici le tuyau qui revient là. C'est parfait. Donc ici je vais avoir une première machine. Quelque part ici, vous verrez, c'est la première machine de traitement. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que je... En fait, il y a un truc pour faire... Ah oh, bah, je suis bête, je vais... Ah, j'ai pas de quoi le crafter ici, je pense. Non. Ah. Bon, tant pis. Hein. Aïe. Ouf. Vous voyez que le turtle, il a encore fait de la merde. Hein. Enfin, il a encore creusé là où il y avait de l'eau. Et moi, je me suis pété au moins deux jambes. Je vais aller reboucher ça quand même parce que ça va être chiant sinon. Alors, toc. Oh bah dis donc, c'est pas fini en fait, j'en ai pour un moment. Ah, faut pas que je me noie surtout. Je vais faire un peu n'importe comment pour l'instant. Alors, vous savez quoi, on va faire une autre solution. On va condamner cette eau. Je sais même pas si ça va marcher comme ça. En tout cas, mon programme là avec le claptrap, ça a l'air plutôt bien fonctionner. Il avance, il fait sa vie, puis il revient après. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas. Ça laisse encore de l'eau, bien sûr. Et puis il y en a encore là, surtout. On va essayer de condamner l'eau à maximum. En même temps, ça me permet de finir ma pioche et après j'utiliserai le mining drill. Enfin non, le diamond drill. La foreuse, quoi. Rechercher à parler anglais quand on connaît le mot en français. Que ça coule encore. Ça coule encore, zut. Hop, ça se termine, ça se termine. Je suis conscient que c'est pas le plus passionnant de l'aventure, ça c'est sûr. Hop. Encore un peu. Voilà. C'est pas du tout fini, je le sais très bien. Mais ça fait rien. Donc, j'ai pas de redstone sur moi, mon claptrap n'en a pas ramené tout à l'heure. C'est pas cool. C'est pas cool parce que ça me permet de... Ça peut pas... Ouais, je vais pas pouvoir avancer. Oh bah je devais devoir remonter. Hop. Hop. Après, il faudra vraiment que je continue à faire l'ascenseur. Hein. C'est pas pratique de devoir passer de l'un à l'autre comme ça, c'est même super chiant d'ailleurs. J'en suis à combien? J'en suis à 40 minutes. Et bah vous voyez que ça défile le temps quand même. Hein. J'ai déjà bientôt terminé cet épisode spécial.
pas de monstres aux alentours. Je toque. Alors si j'espère vraiment que je pourrais faire l'entrée que je veux faire. Donc il utilisera industrial. Non, voici qu'il utilisera Industrial Craft, Computer Craft et le nouveau mode Hugo Craft. Dont je vous ai pas encore fait voir comment ça fonctionnait parce que j'ai pas encore trop le temps de regarder. Je connais pas encore les crafts et tout, et j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Qu'est-ce que je venais faire? Chercher de la redstone, oui. Hop, redstone. Je vais prendre du bois parce que je le sens bien que je vais devoir crafter des moteurs. Ouais, allez, go. Je me rappelle plus que j'avais des blocs d'obsidienne, moi. Ah si, oui, c'est quand j'ai été miné. Allez. Je toque. Alors, je crois qu'arrivé à une certaine distance, les claptraps se désactivent parce qu'ils sont trop loin du joueur ou je sais pas quoi. À moins que c'est pour la communication Wi-Fi. Est-ce qu'on peut mettre du Wi-Fi avec Computer Craft? Ah, je sais plus, je sais plus. On verra bien, hein. S'il revient pas, c'est qu'il s'est désactivé. Et je vais pas le faire miner sur 300 blocs non plus parce que je sais que le filler a une limite. Bah, il est où? En fait, il va pas pouvoir revenir comme ça si jamais. Donc, il a creusé, on va aller voir ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bah, non. T'as pas bossé là? J'ai pas tout pigé. Où il a eu l'obsidienne, de la redstone. Et bon, on va l'éteindre parce que là je crois que ça a un peu merdé. J'ai pas tout pigé non plus. Ça fait rien. Plus besoin de ça en fait. Voilà. Bon. Je vais lui faire une petite pause au claptrap parce qu'il va finir par dérailler. Qu'est-ce que je venais faire? Oui. Stock, est-ce que ça marche de faire ça comme ça? Ça n'a pas l'air de le faire réagir trop. Bah si. Alors regardez. Le principe c'est toc 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 toc. Non, je l'ai raté. Je sais ce qui s'est passé, je l'ai raté. Je recommence. Donc il me faut un moteur. Comme ça c'est dit. Arrête de partir là-dedans. Falloir un moteur. Je vais mettre un moteur à redstone qui n'explose pas, qui n'a besoin de rien d'autre qu'une torche de redstone. Au moins, ce sera tranquille pour celui-là. Donc, je stocke. Un moteur c'est je sais plus, c'est comme ça, non c'est avec, et en plus il y a de l'orage, génial, c'est comme ça, ouais, okay, je crois qu'il m'en faut deux. Ah non, il me faut un piston aussi, ah zut, alors je vais devoir encore remonter. Vous savez quoi, je le ferai plus tard, je vais continuer un peu l'ascenseur. Je vais pas trop vous saouler à faire des allers-retours, on va bosser sur l'ascenseur. Alors, ascenseur, donc ça peut virer. Donc, pour l'instant, pareil, je fais là en cobble. Donc là, il a pas encore détecté qu'il y a un troisième étage, ça fait rien. On va y aller. Oh, pardon. Enfin, je me dis pardon à moi-même. On va y aller à l'ancienne. Je vérifie que j'enregistre bien. Donc c'est sûrement oui, c'est bon. Alors, ici, on est où? 1, 2, 3, on n'est pas encore assez haut. On est sur un point de. Un sous-sol, entre guillemets. Un faux sol. Tête. Hop. Un. Et 4. Donc on va descendre et là normalement il va me détecter un troisième étage parce qu'il y a une sortie en fait. Ouh, il y a de l'orage, c'est génial. Troisième étage, super. Qui est celui-ci puisqu'il, comme je l'ai dit, il détecte une sortie.
Alors le pattern est... pour l'instant je m'en fous du pattern. Je vais vraiment avancer dans la construction de cet ascenseur, quitte à faire vraiment de la merde pour l'instant. Toi casse-toi. Hop. Ah, pas l'orage. Ce qu'il détecte. Oh, c'est cool, il a détecté. Sauf que c'est pas réellement le vrai quatrième étage, puisque ici on est sur un faux sol. D'ailleurs, si je le redis 4. Ouais, voilà, il va monter d'un cube. Là, normalement, il a trouvé le cinquième. Et là, le cinquième, c'est un vrai. Là, le cinquième, c'est un vrai. Donc, je vais demander à aller au quatrième. Celui-là, c'est pas un bon étage. Il faut le condamner. Ah, ça fait de l'organisation, tout ça, hein. Bon, une fois que l'ascenseur sera fait, faudra que je parte en quête de piston, enfin de sticky piston. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter jusqu'en haut. Parce que je peux pas remonter jusqu'en bas, accessoirement. Et je vais aller chercher du piston pour faire les moteurs. Je vérifierai en même temps le craft sur. Sur Buildcraft, sur le site de Buildcraft. Juste au cas où. Cobblestone, hop. Alors encore une fois, la cobblestone c'est temporaire. Hein. Je compte pas du tout laisser ça. C'est clair et net, parce que c'est dégueulasse la cobble comme ça. Ah, je trouve pas l'étage. Maintenant tu le trouves, tu le trouves. Ch'tou. Donc pareil ici, sous-étage. Ah, j'ai pété. Ma truc, ma pioche, on passe enfin sur la mini drill qui pétouille des fesses, qui rocks du poney, pardon. On doit dire ça comme ça. Donc ici, faux étage. J'ai ma lampe qui se met à clignoter, c'est génial. C'est à peine flippant. Si ça coupe d'un seul coup, c'est que ça a explosé, hein. Faut pas vous inquiéter. Je toque, cinquième étage, qui est un réel cinquième étage. J'en ai encore pour beaucoup là parce que ça commence à faire un peu. J'en ai encore un là. Donc là je suis sur un vrai. Ouais, non, ça se termine. Donc là je suis où? J'ai un doute. Je crois que c'est par là l'entrée. Oui. Faudrait pas que je fasse une entrée d'un côté et après de l'autre. Donc on en est à 5 étages pour l'instant. Sachant. Bon, donc on aura vraiment de quoi faire. Hein. Si je peux faire environ 4 salles par étage, on aura vraiment de quoi faire. Toc toc. Donc ici c'est un étage normal. C'est un peu répétitif, mais une fois que ce sera fait, je vous foutrai la paix avec ça et je terminerai l'ascenseur de mon côté. Alors le mini drill il est super cheaté. Enfin la foreuse elle est super cheatée je trouve. C'est super cool. Super super cool. Il trouve pas. Ah oui c'est vrai, à chaque fois il trouve pas cet étage-là à cause de ça. Ça mine super bien ce truc. Hein. Hop, donc ici étage intermédiaire, comme d'habitude. Ah ouais, ce qui est vraiment cool, c'est que je vais pouvoir recharger cet outil électriquement. Pas besoin d'en voilà, pas besoin d'en recrafter. C'est là où c'est pété. Ça commence à coûter cher en cobblestone tout ça. Hein. Sixième étage. Ah bah voilà. On est arrivé à la fin et donc à la fin je vais peut-être pas faire tout de suite un. Je vais changer un petit peu mon truc. Je vais pas faire tout de suite un truc qui monte directement parce que on sait jamais au niveau sécurité. Je préfère faire comme c'est fait pour l'instant. Comme ça. Hop. Va mettre ça là. Ça comme ça. Un petit morceau de terre.
Voilà. Donc ça va décaler, ça fait rien, ça fait rien. Donc, eh bien, on a bien avancé sur ça, hein, déjà, parce que là, j'ai fait, rappelez-vous, hein, il y a quand même pas mal d'étages de... Là, on a 6 étages, donc là, oui, voilà, ça fera 6 étages, en comptant que le premier étage, c'est les mines. Donc on va tester, voir un peu comment c'est rapide. Hop, hop. C'est quand même bien rapide, hein, je trouve. Voilà. Là, c'est un peu plus long, on a atteint les mines. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Sixième étage. Qui sera donc le rez-de-chaussée. Enfin, qui sera l'étage où on aura la sortie. Je suis bien content de mon petit ascenseur. J'ai bien fait d'installer ce mode. Alors par contre, quand vous commencez comme moi à installer plusieurs modes de différents types et tout, n'hésitez pas à faire des sauvegardes, hein, parce que des sauvegardes de vos mondes, je fais n'importe quoi, des sauvegardes de vos mondes parce que vous prenez vraiment des risques si jamais il y a un petit truc qui plante ou... Personnellement, je sais comment faire planter le jeu avec le mode élévateur, là. POUAH! Le mode élévateur. Ça faisait longtemps, hein, qu'il n'y avait pas eu un petit creeper comme ça en traître. Oui, donc je disais, je sais faire planter mon Minecraft avec le mode élévateur, donc enfin j'ai eu l'occasion de tester ça. Donc oui, n'hésitez pas à faire des sauvegardes de vos maps, surtout que là moi je fais une partie que je partage avec vous, donc j'ai plutôt intérêt à pas la perdre. Ce qui est déjà arrivé avec Survival Valley. Survival Valley, je dis n'importe quoi. C'est avec Garnick le survivant qui était donc sur le mode Zombieland. Je vais y arriver. Ah, je vais pouvoir aller peut-être récolter mes plantations de blé. Ça fait super longtemps. Nickel. C'est pas tout ça, hein. Faut quand même manger. Plus, il arrête de pleuvoir tout pile au moment où j'ai fini. Et j'en suis à 50 minutes. Je vais vérifier ça quand même tout de suite. Ouais, j'en suis à 52 minutes. Environ. Hop. Donc, j'avais dit que j'allais faire quoi ici? Oui, j'allais crafter un piston. J'allais crafter un piston. Pour ça, du fer. J'ai plus besoin de mon obsidienne. Faut la laisser là. Alors, déjà, macérateur. Ah bah non, les macérateurs ils sont là maintenant, c'est vrai. Hop. Et là, je peux mettre quoi? Je peux mettre ça dans mes fours. On va mettre. Bah je peux rien faire chauffer pour l'instant. Bah si, je peux faire chauffer toute ma poussière. Ah merde, ce sera pas assez. Parce que forcément, ça va être doublé, donc j'aurai pas assez. 50 x 2, ça fera plus que 64. Donc niveau tin là ça va pas mal avancer. Je vais vider un peu mon bordel. Tout ça j'ai pas besoin. J'ai pas besoin pour l'instant. Ouais. Ça va là. Je vais aller reposer mon claptrap qui me sert pas pour l'instant. Je passe toujours comme ça, au moins je l'ai bien en face. C'est plus marrant, c'est plus sympa. Voilà. On range les programmes. Les seaux, j'en ai plus besoin non plus pour l'instant. Je commence à avoir mal à la gorge à force de parler. Ça, je peux le ranger là. Donc, oui, il faut un piston. Piston, c'est comme ça. Comme ça. Et comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà. On a un piston. Un piston, je crois que c'est... Ah oui, il faut aussi du... du verre, il faut du verre, je pense. Je le fais là d'instinct, si c'est pas ça, j'irai voir rapido. Est-ce que ce serait ça? Oh, nickel, c'est ça. Qu'on a notre moteur. Énergie, je suis encore blindé, ça, pas de souci. Je recharge vite fait ma foreuse, hop, voilà. Toujours ça de prix. Ah oui, je vais regarder rapidement. Si je peux pas me faire un autre outil, un outil d'attaque, parce que moi je viens de voir que mon épée est bientôt pétée.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors attendez, je cherche rapidement. Ouais, on a ça. Ah bah il y a ça qui a l'air intéressant. Il faut du fer raffiné. On va faire ça. On va faire une hache électrique, les amis. Carrément. Carrément, carrément, carrément. Car je viens de voir qu'elle est aussi utilisable contre les ennemis. Donc, on va tester ça ensemble. Alors, on commence par faire un circuit électrique. On commence à avoir l'habitude de ce craft. Ouais, sauf que j'ai pas mon fer raffiné sur moi. Je vais voir si je peux aller en avoir un petit peu. Iron Dust. Ici, ça bosse. Je peux les retirer et les mettre là-dedans, ça devrait le faire. Alors, fer raffiné. Roule. J'ai pas vu combien il m'en fallait, je regarde rapidement. Je ne retrouve plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut 6. Je vais déjà faire ça, je pourrais faire mon circuit électrique. Enfin, électronique, très exactement. Alors, ça va là. Avec... non, je me suis trompé. On va d'abord faire du câble. Toujours du câblage. Ensuite, entouré de deux morceaux de redstone. Hop. Ah. Voilà, on a le circuit électronique. Il faut ensuite une batterie vide. La batterie. Pareil, il me faut un câble. J'ai pas un câble qui traîne. Non, j'ai plus de câble. Bon, on va refaire un petit peu de câble. Je toque. Il faut ça, redstone comme ça, et barre de tin. Voilà, ça celui-là je m'en rappelle. Donc j'ai la batterie. Il va me falloir raffiner d'iron. Il m'en faut combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai combien? 4. Bah bien sûr. Iron dust. Je peux mettre un peu de poussière ici. Utile, j'en ai pas besoin d'autant. Stock. Ça double vraiment les ressources, c'est bien pété. Alors, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il me manque, ah oui, il me manque du fer raffiné du coup. Ah là 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 là. Mais ça vaut le coup. Et je crois que je vous laisserai là, on aura bien joué ensemble déjà. Je commencerai à installer la mine, ferai des premiers tests pour l'entrée secrète si je peux commencer au moins à la faire. Enfin, au moins faire les tests, parce que j'aimerais bien qu'elle soit faite à la fin en fait. Ou au moins la base, ouais, je ferai au moins la base. Enfin, sachant que je sais pas encore si ce sera faisable. Donc, c'est un truc qui se profile comme ça, après il y a quoi? Non, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Voilà. Le circuit électrique et la batterie vide ici. Voilà. Donc en gros, ça, c'est... Oh, elle fait un joli bruit en plus. En gros, ça, c'est bonheur, j'allais dire. Équipement, je mettais ça là-dedans. Pas besoin de l'épée, parce qu'apparemment, ça sert aussi d'arme. Donc on va s'en servir d'arme. On va d'abord la recharger. Tchou! Je sais pas combien ça prend d'énergie. Oh, ça prend quand même pas mal. Ça prend un bon 7000, un truc comme ça. Il faudra qu'on aille tester ça sur des monstres. Je crois que ça remplace aussi la pelle, le mini drill. Je l'ai vu tout à l'heure. Ça, le diamond drill plutôt. Ça remplace aussi la pelle. Donc vous voyez que là, d'un seul coup, ça réduit mon inventaire. Ce qui est pas mal. Je vais aller refaire du stock de bouffe. Non, je peux pas tellement en faire en fait. Enfin, si, mais j'en referai plus tard. Je vais voir niveau mine ce que ça donne. Enfin, mine. Là, j'ai plus de minerai à faire extraire. Non, non plus. Ça, c'est bon. Donc, je peux mettre la poussière là-dedans. Je vais prendre la moitié d'ailleurs. Pour aller plus vite. Je range un petit peu tout mon bordel et je vous laisse. Bah non, vous savez quoi, je vais pas ranger ça devant vous. Je vais vous laisser tout de suite. J'aurais bien aimé trouver un petit monstre quelque part. Ah bah là, il y a un mouton, je vais le tuer sauvagement. Pour la science. Mouton!
Voilà, one shot, donc c'est que ça fait du dégât. Ça fait du dégât. Bon, je remonte et je vous laisse. J'ai dit ça au moins deux ou trois fois, mais bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cet épisode. J'espère que 50 minutes, enfin une heure, c'est pas trop long. Je referai peut-être ça, hein. C'est toujours sympa. Vous me dites, hein, si ça vous intéresse ou si vous préférez avoir des plus petits épisodes plus concrets. Enfin, vous me direz et j'aviserai en fonction de ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, donc qui est le 10e. Je vous dis à la prochaine et salut à tous!